Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons attendre. Ah oui, celui-là est fini, effectivement. Nous allons donc attendre des citoyens, puisque normalement, tout ce qui est nécessaire est disponible pour que nous ayons des nouveaux citoyens. Donc, il ne reste plus qu'à trouver des citoyens. Donc, on va attendre, on va espérer qu'ils soient gentils et tout ça pour qu'ils viennent. Et on va attendre des gentils petits vitoyens. Donc il n'y a pas grand chose à faire entre temps. Je pourrais... Si c'est vrai, j'avais commencé à descendre ici. Donc effectivement, on va regarder ce que ça donne. Par contre, il va falloir effectivement que je retransforme quelques-uns de mes vitoyens en soldats. On va faire 2 soldats. Voilà. 2, oui, 2. Ça suffira bien pour un début. Si jamais quelqu'un va miner et qu'il tombe sur des méchants, que au moins un ou une soldate puisse bien aller à sa rescousse et le sauver en tapant méchamment le méchant qui est en train de lui faire mal. Ah oui, 9, oula, j'ai eu extrêmement peur à un coup que j'ai perdu 2 nouveaux vitoyens, mais non, c'est juste que effectivement j'en ai transformé 2 en soldats, donc 9 plus 2, 11, et on reste toujours à 11. Alors le mieux ce serait que ce soit dire... Ah non, bon, fait juste que ranger la dorte. Et donc voilà. Ah si, oui, bon, ils doivent sûrement aller chercher la dorte qu'il y a ici, et non pas percer le petit trou. Et donc voilà, pour le moment, un épisode léger où on ne fait juste qu'aller visiter et le faire en espérant que quelqu'un mine ça ici assez prochainement, histoire de voir ce que ça va donner. Et en espérant effectivement qu'il y ait quelque chose en dessous. C'est original ça. Hop. Donc voilà, ils sont en train de ranger le fer, de ranger la boue. Alors je pense qu'ici ils ont quand même pas mal de choses à ranger ici, puisque j'avais quand même percé méchamment. Ils ont rangé tout le caillou. Ah, presque tout le... Ah non, ça c'est du gravier, c'est du flint effectivement. Donc, presque tout est rangé. Bah, moi je vais continuer à détruire la boue ici. Voilà. Tac, tac, tac. Donc il ne se passe pas... pas grand-chose dans cet épisode. J'espère que c'est l'épisode dans lequel nous allons avoir les nouveaux citoyens. Parce que dès qu'on va en avoir assez, on va pouvoir se relancer à la conquête du donjon. Et ça sera quand même beaucoup mieux que patienter et patienter et encore patienter... à ne rien faire. Je suis en train de me demander si par hasard il n'aurait pas quelque chose contre les chambres en intérieur. Donc on va essayer de faire quelque chose. Et bien par exemple ici, on va poser quelques... Alors une... Deux... On va en poser 5. 3... 4 et 5. On va leur mettre un lit quand même. Hop. Et on verra éventuellement pour leur faire des murs plus tard. Donc est-ce que quelqu'un est descendu? Non, toujours pas. Donc alors déjà il doit y avoir des gens qui sont en train de s'exciter, voilà. Je pense pour faire un lit. Un lit, c'est bien, c'est 3 bois un lit. Donc ça doit être assez prochainement réalisé ici. Voilà. Alors on va leur faire des murs quand même. Une porte chacun. Et un mur chacun. Hop, on va prendre celui-ci. Do not decay, c'est bien ça? Oui. Voici.
Voilà. Et là, c'est le moment où je ne me rappelle plus si ça écrase la porte ou pas. Et on va espérer que non. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'exciter à couper des arbres. Je vais arrêter ce moulin. Turn on. Donc, ok, je n'ai qu'un seul moulin qui est en train de fonctionner et je suis envahi de farine. Il me semble que j'avais dit dans un des épisodes précédents qu'il fallait que je vérifie de ne pas trop être envahi, mais c'est quand même un peu le cas. Donc des vitoyens, s'il vous plaît. Amenez-moi des vitoyens. C'est la seule chose dont j'ai besoin en ce moment. Enfin, dont j'ai très besoin en ce moment. À partir du moment où je vais avoir des vitoyens, on va tout va être beaucoup plus facile. Donc j'ai arrêté ce moulin pour le moment. Comme ça, vu que je vais être pas mal en surface, je devrais réussir à voir ça si jamais on a quelques petits problèmes de farine et de pain, enfin, surtout de farine en fait. Le dernier lit doit être en cours de construction. Une fois qu'il va être construit, il faut juste un carpenter bench. Donc les murs pourront être construits. Voyez-vous, des immigrants sont arrivés. Donc où se sont-ils installés? Ils se sont installés dessous. Et donc, bien, maintenant que 4... J'ai 15 vitoyens, c'est mieux. C'est pas encore ça, j'aimerais mieux en avoir encore un peu plus. Hein. Parce que si j'en ai encore un petit peu plus, ça veut dire que je vais pouvoir... faire plus de soldats, mais j'aimerais bien avoir à peu près une dizaine de soldats pour être capable d'envahir le donjon. Mais bon, pour le moment on va faire avec ça. Ici on va avoir les vitoyens très importants qui vont se loger ici, dont peut-être un citoyen. Nous verrons ça prochainement. Voilà, donc maintenant que j'ai des immigrants, c'est très bien. Et je pense que quelqu'un devrait forcément... Effectivement, si je ne crée pas d'échelle, personne ne peut y aller. C'est assez logique, une fois dit comme ça. Donc voilà. J'ai demandé une échelle. Et donc normalement, quelqu'un devrait, à un moment ou à un autre, fabriquer une échelle. Donc ça fait que j'ai combien de places déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 27 places de vitoyens au maximum. Bien, tant qu'on est dans les murs, on va en profiter pour fabriquer des murs ici aussi. Puis tant qu'on y est, on va retirer tout ça ici. Et puis ça ici. Oups. Et puis ça ici. Voilà, allez-y les vitoyens. Je mets les nouveaux arrivés au travail tout de suite. Parce que là, les murs sont en train de prendre forme. Mon échelle est arrivée. Donc quelqu'un va percer ici prochainement. Donc en théorie, est-ce que... ces deux donjons pourraient se connecter? Et la réponse est non. Ces deux donjons ne peuvent pas se connecter. C'est toujours bon à savoir. Tac, tac, tac. Donc ici, quelqu'un va arriver. On va essayer de le surveiller. Il faut que je fasse attention à mes moulins maintenant aussi, puisqu'avec des nouveaux vitoyens, on ne sait jamais un malheur est si vite arrivé au niveau... de ceci. Donc on va casser la boue. Hop. En espérant que quelqu'un enlève la pierre ici pour que je puisse fabriquer les murs. Hop. Bien, c'est parfait. Au moins j'ai quelques vitoyens. J'en ai beaucoup moins que ce que j'espérais. Mais je ne désespère pas d'un second arrivage
d'ici un jour ou un autre. Hop, donc voilà, je casse la boue. Et donc une fois que je vais... Ah là là, c'est très bien ces nouveaux vitoyens. Parce qu'avec, je vais pouvoir faire 5 soldats. Et donc commencer à détruire le début de, du donjon suivant. Du donjon dans lequel je suis déjà, mais ici voilà, donc quelqu'un... Non, je me suis trompé, j'ai cru que j'étais un niveau en dessous et que quelqu'un avait déjà percé. Mais pas du tout. Alors il faut qu'on avance quand même de 1 de plus ici. Sinon ça va faire moche avec le mur, et quand ça fait moche avec le mur, j'aime pas. Voilà. Donc... Wooden wall. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié un peu de boue. On va corriger ça. Hop. Et ouf. J'en ai mis un peu trop. Je me suis laissé emporter. Et on annule ici. Et là, il y a un carré de boue ici qu'on supprime, un carré de boue là qu'on supprime, mais un mur ici et un mur là. Et voilà. Alors, un siège de un nombre d'araignées absolument obscène. Donc on va faire la même chose que d'habitude. Hop. Voilà. A dream of wheat lava. Lave. Je n'ai pas regardé par où arrivaient les mes nouveaux immigrants. Et donc comme ça, on va se laisser à peu près sur la mort de ce siège. Préparez vos oreilles, ça va, comme d'habitude, faire un petit peu mal. Hop, on dépose, et voilà. Normalement, je vous ai un peu détruit les oreilles. Hop. Alors maintenant, il faut que j'arrive à retirer la lave. Si je mets de l'eau à la place et que je la retire après, d'accord, donc ça va pas être évident du tout. Alors bon, je pense que je vais me poser la question de la lave un peu plus tard. Non, c'est presque ça. La lave a un comportement bizarre. Voilà, ça a débordé. Je n'aurais pas dû relever comme ceci. Oh, bah dis donc, ça c'était plutôt rentable de retirer ce bloc-ci. Alors, on remonte et on remonte. Parfait. Ni vu, presque ni connu. Alors, est-ce que quelqu'un est descendu ici? Non, toujours pas. Alors, ici, ils doivent être en train de faire tourner les scieries à plein régime pour finir les murs ici. Quelques jolies personal rooms sont en train de se faire. Ici aussi, il y a une pose de mur. Eh bien, je vous propose qu'on se laisse sur un petit timelapse. Eh bien, de la construction de ces murs. Et on se reprend après pour se dire au revoir. Vous pouvez aussi partir tout de suite si le timelapse ne vous intéresse pas. Si c'est votre choix, à bientôt, et sinon, à tout à l'heure. Si vous avez survécu jusqu'ici, c'est bien parce que on a un siège, mais ce sera pour le prochain épisode.
Thank you.